ectomorphes, endomorphes, mésomorphes. Welcome. Bienvenue sur SportTube Workout, qui c'est channel YouTube. Capoté pour un pile conseil en pratique, un pile astuce, un pile challenge, un pile. Bon genre exercice avec des coachs performants. Capoté pour nous à travers channel YouTube ça. Toute information qu'il y aura besoin pour capable avancer, aller de l'avant en tant que débutant, en tant que intermédiaire ou encore pro. Et je dis à mesdames et messieurs, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, nous allons parler de morphologie avec un coach Babou qui va présenter de thème qui est vraiment nouveau, peut-être pour vous-même en tant que débutant, qui va parler de ectomorphe, qui va parler de endomorphe, qui va parler de mésomorphe, qui c'est différents types de caractéristiques en physique et génétique de yon moun capable de gagner de façon qui balle certaines prédispositions pour capable prendre muscle rapide ou du moins que de manière un petit peu lent. Mais pas oublier que quel que soit type corps capable de gagner, ectomorphe, endomorphe, mésomorphe, tout le monde capable de muscle. L'essentiel, c'est travail. Pour capable de générer résultat ça. Moi-même, c'est coach Kolodo. Peut-être que je suis capable de faire un mésomorphe. Nous allons différer ce rapidement. Rapidement, nous parlons de morphologie qui s'en va. J'ai qu'une tête là. Nous parlons de morphologie en question de musculation. Nous voyons ces traits caractéristiques physiques, génétiques, qui permettent d'identifier en plus ou moins un type de personne. Par exemple, nous gagnons trois morphotypes, ou encore trois types qui sont capables d'identifier nos morphologies, à savoir ectomorphe, endomorphe et mésomorphe. Dans la période de ectomorphe, qui est-ce que nous avons? Donc, nous disons que généralement, que lorsque nous identifions un monde comme ectomorphe, c'est un monde qui généralement a un physique maigre, une ossature fine. Endomorphe, c'est un monde qui a une épaule tombante et puis qui est capable facile de prendre gras. Donc, le monde a un type endomorphe. Maman Pemba, c'est ça qui nous relève, mésomorphe. C'est qui a une physique large avec une ossature forte. Donc, moun sa yo capable de prendre muscle facilement. C'est ça qui est appelé easy gainer. C'est moun sa yo qui est capable de prendre muscle facilement. Donc, en tant que débutant, il est extrêmement important pour connaître qui type de corps qu'on gagne et comment que on peut prendre des dispositions pour capable suivant une répétition, suivant un régime alimentaire, suivant des exercices qui appropriés à type de corps. Et c'est ça que nous allons découvrir avec un coach Babou. Mon capacité de yon type de corps à yon l'autre. C'est avec nous Babou. Je dis à moi pour parler de morphologie qui c'est type de corps. Moi, elle est vraiment important en pile pour qu'on type de corps avant ou commencer à faire sport, avant ou entrer dans la salle de gym. Les corps ont un avantage pour vous parce que vous pouvez connaître comment pour alimenter le corps, quel genre d'exercice pour faire et vous pouvez venir au besoin en plus rapide. C'est une raison qui compte faire l'entrée dans la salle de gym. Nous avons fait des qu'on a fait discussion. Nous avons dit moi je viens ensemble avant, moi je suis prêt pour passer. Moi je viens jouer nous là, moi je suis gros nez passer. C'est le type de corps pâle qui est approprié par rapport avec le type de corps pâle. En général, il y a trois types de corps qui sont ectomorphes, mésomorphes et puis tout endomorphes. Les gens qui sont ectomorphes, en général, sont minces, sont longues, sont minces. Ils ont même mangé en pile et puis ils n'ont pas qu'à prendre graisse, ils n'ont pas qu'à prendre muscle. Depuis où on voit qu'on est, on fait partie de type de corps qui c'est ectomorphe là. Là on est en salle de gym, y a pas gagné énergie pour le travail, y a gagné un métabolisme vraiment rapide. Ça me t'a conseillé, c'est que pas faire en pile dans après sport. Tant que t'as fait après sport, c'est environ 45 à 60 minutes. Parce que l'on fait en pile dans après sport, ça cause ou boule calories au plus rapide. Et mon qui ectomorphe là, les boule calories au rapide comme ça, ça vient descendre dans poil. Ça m'a conseillé au plus, c'est alimenter le corps plus bien, c'est manger un pile aliment qui est riche en protéines, qui porte un pile énergie et qui gagne un pile calories. Ça, c'est pour les gens qui ectomorphe. Nous allons prendre deuxième là. Deuxième là, qui c'est mésomorphe. Les gens qui mésomorphe, c'est mon type de corps plus approprié pour les gens qui font sport. Ce style de monde, bon là, quand on dit, ah, un tel, il fait tout bon. Oui, il fait tout musclé lui-même. Depuis où on constate qu'on fait partie de type de corps qui c'est mésomorphe.
Moun ki mésomorphe lan, li gen yon métabolisme ki normal. Moun ki mésomorphe lan, li gen yon métabolisme ki normal. Li gen lè l'entre nan salle de gym, li gen pile énergie pou li travay. Li ka fè exercice li vle parce que type de corps pa lan approprié ak sa. Nou ap pran dernier an ki se endomorphe. Moun ki endomorphe lan, en général, bon moun sa yo gwo. Senti yo large. Yo même yo pa ka perdi poids facile. Yo pa perdi graisse facile. Moun ki endomorphe lan li même, en général, wap wè, mab yo kout. Et puis tout yo large. Senti yo gwo. Lè yo entre dans salle de gym, yo pa gen énergie pour le travail. Wa di lè bon te ta fè moun sa yo, li pa ba o zo même, c'est seulement graisse li te ba yo. Moun sa yo, yo ta supposé faire plus temps par rapport avec l'autre type de corps parce que yo même yo gen un métabolisme qui lent. Yo ta supposé faire plus temps dans gym à faire exercice pour ka bouler graisse sa yo, pour ka dépenser pour ka bouler calories sa yo. Ça m'a conseillé yo, c'est pas manger aliment qui gen en pile protéines, qui pote en pile graisse, qui gen en pile sucre, gazeuse pas pour moun sa yo. Si yo a utilisé tout sa yo, yo pas besoin de résultat au besoin parce que ça permet yo prendre poids plus. Ça c'est pour moun qui endomorphe lan. Ça pour nous connait, nous fait avec yon nan type de corps sa yo. Mais li pas éternel pour être avec yon nan type de corps sa yo, ka changer à tout moment. Mais pour changer de type de corps ça, il faut dépendre de alimentation avec entraînement. De pour bien entraîner ou bien alimenter corps, on va changer, on va passer de un type de corps à un autre. Jodi an nou te sot parler de morphologie qui c'est trois types de corps ça yo, qui c'est ectomorphe, mésomorphe et puis endomorphe. C'était avec nous Babou, pas oublier abonner avec channel Sportive Workout là et puis activez notification, ça va le permettre de voir toute dernière vidéo nous allons pour nous partager ensemble avec nous chaque semaine. I'll be okay. Bye. Are you listening? Damn. Yeah. Are you listening?